La journée créa, donc ça commence par donc une journée, une matinée où on va essayer de trouver une idée pour ceux qui ne l'ont pas encore, ou pour ceux qui l'ont, bah, essayer de la développer, partager avec les autres pour savoir ce qu'en pensent les autres, avoir un retour sur notre projet. Et puis bah, l'après-midi, on se penche plutôt sur la partie financière, partie budget, donc pour apprendre tout simplement à budgétiser notre projet, savoir s'il est viable et s'il peut être mis en place. Le but de cette journée, c'était de trouver finalement une idée de projet de fin d'études qui soit viable, originale et puis créative, tout en restant innovante. Nous, notre PFE, ce serait de créer donc un drive de produits locaux, donc qui soit d'un côté pour les producteurs locaux qui ont beaucoup de contraintes aujourd'hui, qui ne peuvent pas forcément les vendre leur production sur les marchés, qui n'ont pas forcément le temps ni l'argent de communiquer comme ils le souhaiteraient. Et donc, c'est de leur mettre en place une plateforme qui puisse recenser différents producteurs dans un rayon de 60 km. Donc, mettre leur production en vente et donc proposer aux gens de venir le récupérer donc sur un point. Et tout en développant donc cette activité donc qui permet en fait aux gens donc qui travaillent, aux personnes actives, d'avoir des produits frais, puisque le samedi, vous n'avez pas forcément le temps d'aller en faire le tour tout simplement des producteurs. Et puis quand vous habitez en campagne, il n'y a pas forcément un marché qui tombe pile le jour où vous êtes disponible. Donc c'est dans ce but-là. Et puis tout en essayant de faire un peu de pédagogie, puisque permettre aux enfants aussi de découvrir des produits locaux avec des partenariats avec des écoles ou encore des centres d'accueil. Et donc pour ce projet, nous n'avons toujours pas de nom. Donc si vous avez une idée en tête, on compte sur vous. Le gagnant remportera un petit panier gourmand. Merci. Merci.